chantonnait dans la jungle maudite. Nous marchions déjà de plus grands jours étoilés. Dans le silence épais protégé des lianes, mon pas nous suivait, moi je la précédais. Encore une fois, dit-elle, quand le soleil tombait, dis-moi comment, à quel endroit nous irons, nous allons dormir là où nous allons. Ne se trouvent que des gens qui ont tout espéré. Le dôme est immense au cœur de la forêt. Et on dit qu'il éclaire. Dans la jungle maudite, nous marchions lentement vers le dôme sans nom, suivant patiemment les chemins mal dessinés, et le soir se couchait et elle recommençait. Dis-moi, tous ces gens qui construisirent le dôme, pourquoi n'arrivèrent-ils qu'à cette seule solution? La question était bonne, alors je réfléchis, préférant nous naquit le premier fou, et plus tard il y eut l'épidémie. Chaque ville possédait deux ou trois de ces fous, mais personne au début ne savait qu'ils étaient fous. Ils n'étaient normaux que de par la faculté qu'ils avaient de ne jamais être intéressés plus longtemps qu'une minute à quoi que ce soit. Quelques-uns se tuèrent et les autres comprirent qu'il fallait rechercher l'endroit où aller. C'est ainsi qu'ils bâtirent un grand dôme sans nom, et on dit commencer à croire à la fable du dôme. Quand un jour au lever, je fus saisi d'angoisse, une sorte de vertige, une fébrilité. J'entendis la musique et je vis la lumière. Une grosse boule en verre se levait devant nous. À l'intérieur, les ombres de mes inventions, jeunes hommes et jeunes filles répétaient en centaines. Thank you.